Gal Rita de la Cité française d'Alger à Là-bas, monsieur le consul de Tunisie, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette galerie qui vous est ouverte, comme je le répète à chaque ouverture d'exposition, pour cette belle biennale franco-algérienne ou algéro-française qui a fait en fait le tour de, qui a été montée sur l'ensemble des 5 instituts dans 5 villes de ce pays, rapprochant évidemment nos cultures. Et je voulais remercier profondément Ferial Ghasmi, qui est donc la commissaire de cette exposition, qui a créé un vrai pont entre notre continent et le vôtre. Cette exposition a été, avec bonheur et grâce à Fariel, soutenue par le ministère algérien de la Culture. Donc nous sommes très très fiers de montrer cette exposition ici ce soir. Le maharad de Tatsmim, c'est la grande exposition d'Annaba, nous sommes mis d'Annaba. Donc c'est un projet, une biennale algéro-française de design, Tatsmim, qu'on a organisé depuis, on a fait la deuxième édition qu'on a organisé en 2019, donc avec le web du corona. Et fin de la deuxième édition, on a décidé de la faire les 5 villes. Donc Annaba fait partie des 5 villes, mais qu'un centenat, Tlemcen, Alger ou Wahran. On a la 4e étape. La biennale, elle est organisée par l'Institut français d'Algérie et je suis la commissaire générale de l'exposition. On m'a confié de la mission, donc le Mohafada le Maharajan, avec le partenariat exceptionnel et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et celui des Affaires étrangères algériens. Donc, je remercie beaucoup la le partenariat et ils nous ont vraiment soutenus, nous accompagnent parce que le projet Bdena, ça fait plus de 9 mois. La biennale, donc l'exposition Tahanaba, a une spécificité, c'est le design low-tech. Donc, nous avons beaucoup de l'ISDM avec Jamaïat, elle est très engagée, les responsabilité, l'écologie et toutes les questions autour de l'éco-responsabilité. J'encourage vraiment tout le monde à venir la voir, même les chers comme les associations, les gens engagés de la question de l'environnement. Et bien évidemment, on a des invités aussi français qui exposent. Là, je pense que c'est la première fois qu'on a fait Annaba. On sera là en 2026, la 3e édition, avec plus de projets. Mais les universités, même l'université, on a eu des conférences avec des invités, tout ça, des masterclass, des workshops. Donc vraiment, programme très riche. On est très très content et je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de monde et le public vraiment bizarre. Voilà.